Et salut à tous, c'est Locan pour locan.fr. Aujourd'hui, on va faire un concours test du Audio Technica FC700. Alors pourquoi un concours test? Tout simplement parce que, ou un test concours, comme vous le préférez, ça sera plutôt dans cet ordre-là. Parce que Audio Technica m'a fourni ce petit casque, entre autres petites choses, afin que j'en fasse le test et que je vous le propose à gagner. Donc c'est ce qu'on va faire tout simplement ça marche aussi. Le test va être très rapide et le concours va se faire comme d'habitude grâce à Twitter, etc. Ce casque Audio Technica est donc livré dans un petit emballage en plastique tout simple, si je puis dire. Donc c'est un casque portable pliable, qui a pour lui d'avoir quand même un son très correct, très correct même, un confort tout à fait relatif. C'est pas leur haut de gamme, hein, évidemment, donc ça va pas être que du plus dessus, mais c'est un appareil qui est quand même très agréable. Donc d'un point de vue packaging, papam. Pam, pam, ça a l'avantage d'être plutôt bien fait. Et ensuite, si je vous dis pas de conneries, on retourne et voilà, on accède au casque rapidement. On va essayer de faire ça sans tout péter. Hop, là. De toute façon, après, je m'en fiche, il est pour vous. Donc voilà, on a tadam, notre casque qui est ici. On a un fil court, donc avec une rallonge jack, si vous voulez le brancher sur quoi que ce soit. Enfin, c'est plutôt un câble normal qui peut se raccourcir, on dira. Donc prise de jack tout simplement. De l'autre côté, on a ce petit casque et je suis en train de me dire qu'à une main c'est le bordel. Donc je vais peut-être poser tout ça, poser le caméscope pour vous montrer ça en vrai. Alors bougez pas, on va faire ceci, cela, c'est de la vidéo en live comme d'habitude, mais c'est ça qui est bon. Donc là, vous êtes verrouillé sur le trépied, c'est génial. On a donc ce petit casque qu'on va retourner comme ceci. Là, si tu veux bien, merci. Et voilà, donc on a ensuite l'arceau ici qui va être réglable, bien entendu, c'est bien plus marrant. Clac, clac. Arceau qui semble avoir uniquement deux positions, donc tout ouvert ou tout fermé. Au milieu, il n'y a pas de cran, je ne sais pas si vous entendez. Il y a juste un gros cran en bout. Et de l'autre côté, pareil, un gros cran en bout. Left and right, where are you? Alors, il me semble que j'avais bataillé, voilà, right and left. Sur la tranche, ça donne ceci. On peut donc ensuite le refermer. C'est tout simplement un principe d'ajustement automatique. C'est-à-dire que vous allez le verrouiller. J'entends pas trop ce que je dis. Vous allez le verrouiller un maximum, le mettre sur la tête, relâcher. Et ensuite, ça va se resserrer un petit peu. Sur le même principe, plus ou moins, qu'un COS Portapro. Ensuite, vous venez brancher votre petit truc dessus. Niveau son, c'est très correct. Je vais me mettre une petite écoute rapide histoire de me remémorer un petit peu tout ça. Parce que mine de rien, il y en a eu des essais audio ces 2 derniers jours. Et je reviens vous dire concrètement ce que j'en pense. C'est à nouveau moi, niveau son, ça y est, ça me revient. Le FC700 a donc un bon son. Il a une grande membrane, en fait, ce qui va lui permettre de générer des bons graves. On va essayer d'éviter de faire taper le câble sur le trépied. Il a donc des bons graves, des bons aigus, des médiums qui pêchent un petit peu. On pourra reprocher aux médiums de ne pas être assez ronds, aux aigus de ne pas être trop cristallins, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher réellement dans les aigus. En même temps, on n'est pas sur des enceintes triangles non plus. Quoi vous dire dessus? Le seul truc qui pêche, c'est que, moi j'ai des toutes petites oreilles si vous regardez, mais elles bougent. Mais j'ai des toutes petites oreilles. Donc du coup, mon oreille rentre en entier là-dedans. Donc niveau isolation, c'est pas trop mauvais. Quelqu'un qui a des oreilles normales, voire grandes, aura peut-être plus de bruit qui passe. Et il faut avouer que même avec les petits trucs qui me servent d'oreille, le casque n'isole pas bien du bruit. A un très bon son. Si vous appuyez dessus, le son est très correct, vraiment, réellement. Mais si vous posez juste le casque, ça fait un petit peu comme avec les écouteurs Apple pour comparer, même si c'est absolument pas comparable. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il manque un peu de tout, des aigus, des médiums, des basses. Alors qu'en réalité, il y a tout, il suffit juste de l'appliquer un petit peu mieux. Donc les contours auraient supporté d'être un peu plus souples ou un petit peu plus larges, mais là, du coup, on rentrait dans une catégorie de casque qui était bien plus élevée. Ce casque est donc à gagner puisque c'est un concours test concours. Pour ce faire, c'est super simple comme d'habitude, mais il faut avoir un compte Twitter. Alors comment ça se passe? Vous venez sur l'article ici, vous constaterez que c'est la prévisualisation, l'article n'est pas encore là. Vous avez ceci ici, papam, papam, vous venez copier ce petit texte. Papam, papam, un joli commencé, vous venez sur votre compte Twitter ici en haut, vous copiez tout simplement sur le blog de Locan Sardaria, on peut gagner un casque Audio Technica UK FC700 avec un seul tweet, vous tweetez ceci, pam. Ensuite, vous allez venir cliquer pardon, sur le 5 secondes de go.
il y a moins de 5 secondes, parce que j'ai l'habitude de l'avoir sur le net. Vous allez me copier le petit lien qu'il y a du coup en haut de votre statut. Ceci, et vous venez me poster ce petit truc dans les commentaires avec un petit mot à la con du style ton casque il est trop bien, je le veux à la maison, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, j'effectuerai un tirage au sort. J'ai absolument pas déterminé quand se terminera le tirage au sort. Nous sommes le mercredi 25, il est 11h15. On va dire que eh bien, demain 20h, le concours est terminé. Donc le concours se terminera jeudi 26 à 20h. Tirage au sort parmi tous les participants. Et il y aura un grand gagnant de ce Audio Technica FC 700. C'était Locan pour Locan.fr. Merci à Audio Technica pour ce test concours, etc. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao, ciao.